Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 10e épisode de notre let's play sur Metroid Prime Hunter sur DS. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes de retour aux archives célestes après avoir terminé notre premier passage sur Arctéa la dernière fois qui s'est conclu par l'obtention de deux nouveaux artefacts, l'affrontement contre le Slenge V2 ainsi que l'affrontement contre Trace et des gardiens sur le chemin du retour, autant dire que c'était un petit peu mouvementé. On a fait tout ça et on s'est posé une nouvelle fois pour le deuxième passage sur chacune des quatre planètes que nous avons explorées. Et une fois qu'on aura fini ce deuxième passage, on ira finir le jeu. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez me signaler les moments épiques et les faits avec les hashtags associés, hashtag épique EPIC et hashtag fail et fail, plus seulement exact que la rajouter à la compile. Alors, comment va se passer cette deuxième moitié de l'esprit? Parce que vous avez vu, on a fait un premier passage sur chacune des planètes avec l'arsenal qui était à notre disposition. L'ordre nous a été plus ou moins proposé par le jeu et on l'a suivi. Mais maintenant qu'on a un peu plus de possibilités, on va pouvoir aller un peu plus loin sur chacune des planètes. C'est logique. Et je me suis dit, plutôt que de faire une planète, d'arriver aux portes de la fin et de revenir en arrière pour récupérer ce qu'on a loupé, je vous propose dans cette deuxième moitié de l'espèce de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on revient explorer chacune des quatre planètes, on s'assure de récupérer toutes les réserves de collectables lors de notre passage, donc les réserves de missiles, les réserves de munitions universelles et les réserves d'énergie. Il n'y a que ces trois réserves-là, de toute façon. Attends. Énergie, missiles... Oui, non, oui, c'est énergie, missiles et munitions, c'est ça. On récupère tout ça. Comme ça, à chaque fois qu'on quitte une planète, on n'a plus besoin d'y revenir. Mais comment on va faire ça, vous me direz? Eh bien, c'est très simple. Vous savez que j'enregistre toujours avec deux écrans. Alors, si je regarde par là, j'ai un autre écran. Eh bien, sur ce deuxième écran, je vais la faire passer rapidement dans le cadre. Mais vous voyez que j'ai une map de la zone. Voilà, comme ça vous l'avez vu. Je vais m'y référer pendant tous les épisodes à partir de maintenant. Comme ça, je n'oublie pas des choses qu'il y a à faire. Maintenant que vous avez toutes les infos, on va commencer par récupérer la première des réserves qui est juste en dessous de notre vaisseau. Il suffit juste de tirer sur le champ de force vert, ici. Et en descendant, normalement, il doit y avoir quelque chose qui nous attend. Quelque part par là. Voilà, une réserve de munitions. Bim! Il y a 4 réserves de munitions sur les archives célestes. Nous venons de choper la première. Allez. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait sur le champ, on va repasser en mode normal, voilà. Alors, reprenons. Je suis de quel côté par rapport au vaisseau? Ok, mon vaisseau est garé ici, donc c'est par là. Et sur le chemin qui va nous mener vers là, on était déjà passé lors de notre premier passage, on va récupérer une nouvelle réserve de munitions et une nouvelle arme. Il y a 6 armes différentes. Oh, les gardiens sont toujours là. Je pensais qu'on les avait tatanés à notre premier passage, ceux-là. Bon, après, en même temps, on est dans la deuxième moitié de Prime Hunter, donc forcément, il faut qu'on ait un peu de challenge. Le tir chargé, c'est pas mal, hein. Ça leur a enlevé un bon tiers de leur vie. Oh, headshot en plus. Nice. Je crois qu'il y avait 3 gardiens dans la salle, en plus, hein. Non, il a l'air d'en avoir que 2. Si je regarde le radar. Tu veux pas mourir, monsieur le gardien, là? Voilà. Merci beaucoup. Et je repasse à fond. Alors, donc, c'est pas dans cette salle. De toute façon, la salle, c'est au niveau inférieur. Attends. J'ai analysé ce truc-là? Oui. J'ai l'analysé. Alors, donc là, c'est une fois qu'on sera au niveau inférieur. On va avoir besoin du marteau pour l'avoir. Attends, donc je regarde. Non, c'est au niveau encore en dessous. Celle-là, on arrive en gros au niveau des Pédrasil. Vas-y, moi je les pète tous parce que je suis un mec comme ça. Remarque au pire, ils me font rien, je peux les laisser tranquilles. Donc là, on va avoir la première salle circulaire. Comment ça là? Pourquoi il y a déjà la musique qui s'accélère? Oh, c'est des psychobits, ouais, je vais leur casser la figure moi. Bon, moi il y a de l'action, c'est bien, on va pas se plaindre. À moins qu'il y ait encore une baston.
Ah, il y a peut-être des gardiens un peu partout, du coup. Ouais. Il y a peut-être des gardiens un peu partout. Ils avaient laissé Jean-Pierre tout seul ici. Allez. Nice. Faut pas qu'on oublie qu'on traverse. Voilà. Donc c'est au prochain truc. On va avoir besoin du marteau pour ouvrir une porte. Salut les gars, comment ça va? Voilà. Je récupère ça, merci. Donc là on a fait le tour. Voilà. Attends. Wait a suck. C'est des missiles ça? Ouais, c'est juste des missiles, ok. On va repasser en mode normal. En mode tranquille. Parce que les réserves qui étaient là, je sais qu'on les avait récupérées. De toute façon, à ce niveau-là, c'était une réserve d'énergie qu'on avait récupérée. Oh, salut. Voilà, parfait. Allez, ouvre la porte. Voilà, très bien. Voilà, on est dans cette salle-là. Voilà, on va remonter. Et dans la prochaine salle circulaire, il y a quelque chose à faire avec le marteau. Avec le marteau! Pas qu'on se fail comme un caca comme la dernière fois, c'est bon. Parce que là maintenant, toutes les portes vertes, on peut les ouvrir. D'ailleurs, on les a analysées, les portes vertes? Oui, on les a analysées. Voilà, on rentre là-dedans. Alors déjà, il y a une réserve de munitions qui nous attend. On va aller la récupérer. Comme ça, ça s'est fait. Donc on a deux des quatre réserves de munitions présentes sur les archives célestes. Mais surtout, c'est ici que notre nouveau jouet nous attend. Alors par contre, vous m'excuserez les gars, hein, mais... Moi de base, j'ai pas Canal+, hein, donc c'est normal que ce soit encrypté. Oh, nice! Oh. Oh oui, nice, alors. Nice dans un contexte autre que le 69. Alors, où es-tu? Tu es là. Attends, on a un troisième. Bon, après, j'ai envie de dire, si c'est que des gardiens, c'est pas des ennemis bien menaçants. Hein. C'est juste qu'ils sont, ils sont agiles, mais ils font pas beaucoup de dégâts. La porte ne peut pas être ouverte avec cette arme, je sais. Alors, donc maintenant, il va falloir qu'on suive le conduit. Je crois que c'est ce qu'on... Ouais, regardez ça. Voici le Voltar. Le Voltar transforme l'énergie du champ électromagnétique d'une planète en un rayon ultra rapide de plusieurs milliers de terawatts à haute tension. Là, je vous propose d'aller le récupérer. Boom! Nous avons le Voltar. Alors, juste que je regarde un petit peu... Ok. C'est en fait, on va avoir besoin du Voltar pour aller plus loin dans les archives célestes. En gros, on avait atteint le niveau 4. Enfin, le quatrième étage. Là, on avait affronté la première version du Crétafide. Ben, maintenant, on va pouvoir aller au cinquième étage où se cache plus ou moins tout le reste. Il a l'air de rien avoir par ici. Alors, juste que je regarde, bon, de toute façon, on peut prendre n'importe quelle sortie, on s'en fout un peu. Je vais juste tester notre nouvelle arme. Donc, le Voltar, voyez un petit peu. Ah oui, la petite boule de foudre, je valide. Ah, la petite boule de foudre, je la valide. C'est pas mal du tout, ça. Alors, juste que... Je regarde un peu aussi où on en est au niveau des portes. Parce qu'en gros, notre objectif, c'est d'aller au niveau supérieur. Attends. C'est de l'autre côté que je dois aller. C'est de l'autre côté parce que c'est là où il y a la porte qui monte et qui me permet d'aller vers le portail. Parce que notre objectif, c'est vraiment... Non, non, je ne veux pas quitter le jeu. Notre objectif, c'est le portail. Après, c'est ça qui est bien qu'on peut faire. C'est qu'on peut aller sauvegarder l'obtention de ces nouveaux trucs au vaisseau. Et prendre le téléporteur. Oui, voilà, c'était cette porte-là, il me semble. C'est quelque chose qui peut se faire maintenant qu'en plus de ça, on a restauré le portail du vaisseau. Hop, on va dégager
les petits ennemis. Hop. Sans plus, ils ont pas l'air très menaçants. Je veux dire, le temps qu'ils comprennent que je suis là, moi je leur ai calé un petit rayon dans la gueule. Là, normalement, le portail du vaisseau doit être ici. Attends, on est où là? Ah oui, on est dans le sanctuaire 03, effectivement. Ah oui, d'accord, sanctuaire 03, c'était là, je pense qu'on affrontait... oui, c'est là où on affrontait Kanden, en théorie. Donc là, il va falloir qu'on rentre, qu'on traverse la salle. Les gardiens, les gardiens. Ok. Alors, je suis en train de me dire, le Voltar, vous aimez ça? Ouais, c'est pas ouf. Hein. Le rayon de base, c'est parfaitement l'affaire. Allez. Viens par là, toi. Et déjà, on commence avec les positions pas confortables. Hein. Des points de vie, merci. Pas mal. Des missiles, des fois que. Monsieur le gardien, pourriez-vous claquer sur place, s'il vous plaît? Genre! Merci. Ah là, tu me donnerais une espèce de baltringue nucléaire. C'est pas gentil, ça. Alors, attends, on est où, là? En fait, la bonne porte, elle est... la bonne porte, elle est juste sur ma droite, derrière moi. Ok. Donc c'est cette porte-là. Là, normalement, il y a la porte qui me permet de sortir, qui doit être quelque part... Ok, quelque part par là. Très bien. Donc là, c'est là qu'il devrait y avoir le portail vers le vaisseau. En théorie. Ouais, il est actif, donc on va le prendre. Et on va se téléporter. Et en fait, on va simplement sauvegarder ce qu'on a obtenu, donc c'est-à-dire les deux réserves de munitions... Ainsi que le Voltar. Parce qu'on a quand même une nouvelle arme qui vient de popper. D'ailleurs, spoiler alert, il y a encore une arme qui nous attend sur les archives célestes. Au niveau du carnet de bord, on en est où? Toujours 44, mais 85% de l'équipement. 85%? 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque 5 trucs. Bon, dans le tas, il y a les armes. Et pour le reste, on est bon. Allez, on quitte le vaisseau et bien sûr, on continue. Alors. Donc on va reprendre le portail qui est actif. C'est celui de gauche. Et on va déjà préparer le Voltar parce que maintenant on va pouvoir s'en servir. Vous vous souvenez de cette salle? C'était là où on avait fait la succession de sauts pour arriver à l'endroit, enfin au téléporteur vers le Crétafil. Mais maintenant, regardez. On a le Voltar. Attends, on avait analysé le champ de force jaune. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de champ de force jaune devant, marron derrière? Ah, parce que maintenant, je peux passer par ici. D'ailleurs, est-ce que je peux analyser des trucs par là? Ouais, parce que l'analyse, c'est quand même vachement bien en vrai. Hein. Allez, ouf, on grimpe. Et voilà, là on est du bon côté pour le truc de saut. Youhou! On n'avait pas activé. Voilà, on n'avait pas fait le bouclier jaune. Attends, ce truc-là qui est là-haut. Prophétie alimbique 05. L'incendie orange mourra lentement pour ressusciter dans les volutes d'une flamme. D'une fumée bleue. Oh, c'est beau! Je vais enchaîner des arcs-en-ciel! Bon. Et là maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau portail? Ok, donc maintenant on a des téléporteurs. Heureusement que j'ai une map. Alors déjà, sur notre droite, il y a une réserve de munitions. Voilà, juste là. 3 sur 4 en réserve de munitions pour les archives célestes. Celle-là, elle est gratuite, on prend. On les a déjà scannés, ces ennemis-là. Je vérifie juste qu'il n'y a pas un autre portail d'où ils peuvent popper.
Genre là-haut. Non, ça va. Ok, donc on est bon. On reprend ça. Attends. C'est le même endroit où je suis arrivé ou... Attends, ça je peux l'analyser, c'est quoi? Station d'accostage L1, réceptionne les lourds vaisseaux cargo olympiques. D'accord. C'est vrai que j'ai pas sorti mon viseur d'analyse à l'étage inférieur. L2, d'accord, il était en transport olympique de taille moyenne. Ok. Bah non, attends, on était arrivé de ce côté-là, je crois. Et du coup, je pense qu'en dessous, ça doit être les L3, puis à la fin, ils ont leur licence, c'est ça? Ouais, L3. Mais franchement, une fois que t'as fini ta L3, bah tu passes en M1, t'es tranquille. Non? C'est pas comme ça? Ah, attends. Que je vois. Je pense qu'on était arrivé ici. Il faudrait qu'on reprenne le téléporteur ici pour être sûr. On est où, là? Attends que je regarde. Noyau synergique. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. Donc c'était effectivement le téléporteur au-dessus qu'on devait prendre. Ah, si vous nous mettez une énigme à base de téléporteur, les gars, on va pas être potes, hein. Allez, là-haut. Donc on va prendre ce... Attends, on est où, là? Donc on va prendre ce téléporteur. Alors, en théorie, on est censé rencontrer quelqu'un, ici, hein. Il est pas activé, ton truc? Il est pas alimenté en énergie. Ah, merde! Stabilisateur photon. Le pont est stabilisé par un rayon de photons tripolarisé. Rien que ça. Ah oui, d'accord, il y a toute une salle là qu'on peut aller explorer, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah on est parti pour sortir le... Donc on sait que c'est un centre de force fermé, mais derrière là, c'est quoi? Derrière, je veux savoir ce que c'est derrière. Interrupteur. Le champ de force de cette zone est contrôlé par un interrupteur sensible aux projectiles. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un Voldrum. Bah, les Voldrum, on va leur casser la figure. Mais juste casser le truc d'où vous venez, les gars. Ah, mais cette acte de défiance en mode... Né, vous m'en... Là, je t'emmède. M'emmède, Konaw. Attends. On va dégager ce truc-là, déjà. Ah, je peux carrément passer là au-dessus. Ah non, là par contre, c'est un champ de force qui est fermé. Oula, gardien, Voldrum et tout le bordel. Oh punaise. Déjà, priorité aux gardiens. C'est les plus relous. En relier, ce qu'on puisse se retrouver seul dans la salle en mode tranquille ou poète-poète. On s'occupera du reste plus tard. Attends. C'est des nouveaux psychobits, ça. Psychobits version 2.0. Il s'agit d'un droïde de forme sphérique en lévitation, équipé d'un détecteur à 360 degrés et de capacité de téléportation illimitée. Soit des impulsions électromagnétiques. Blablabla, d'accord. Ok, donc il a un espèce de petit Voltar. De petit Voltar intégré. Ok, donc il y a plein de trucs qui font popper des ennemis. Il faut qu'on les casse. Il faut qu'on casse les trucs qui font popper des ennemis. Ah, j'ai accès à un truc là, d'accord. En tatanant les psychobits, j'ai eu accès à quelque chose. Ah d'accord. Bon, on va tous les tataner alors, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Quand on a pour un, il y en a pour deux. Si on a pour deux, il y en a pour trois. C'est comme avec la bouillie pour les petits cochons. Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Encore plein de trucs là-dedans. Il y a toujours le truc qui fait popper des Voldrum là-bas. Il y a encore un gardien. C'est bon, il n'y a plus personne. Je peux explorer la salle tranquille. Alors, on sait que tout ça, c'est sensible aux projectiles, d'accord. On se sent quand même mieux. Enfin, quand même un peu plus libre. Quand t'as pas 27 ennemis sur le coin de la gueule. Ok, ça c'est le stabilisateur photon.
Je me souviendrai toujours, en parlant de photons, je me souviendrai toujours d'une réplique de... C'était dans Fallout 3, un truc qui m'avait fait vraiment... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui m'avait vraiment fait marrer. C'était en gros... si vous avez joué à Fallout 3, vous savez qu'au début du jeu, vous devez passer un truc qui s'appelle le GOAT. C'est un test pour savoir un petit peu ce que vous pouvez avoir au niveau... on va dire au niveau de l'orientation des premiers skills que vous allez pouvoir choper et tout le bordel. Et il y avait une question, alors je me souviens plus l'intitulé exact, mais c'était ça parlait d'un mec qui te braquait, je crois que c'était un mec qui te braquait un stabilisateur photonique sur la gueule et tout, et il te demandait comment tu voulais réagir. Et l'une des réponses, c'était littéralement, mais photonique ta mère, mec. Et je sais pas, cette vanne elle m'a toujours fait marrer, le photonique ta mère. Voilà, donc on va activer tous ces petits machins. Les petits machins. On est pas mal. Et en plus, ça tombe parce qu'on a des choses très quelque chose d'assez intéressant à récupérer là-bas. En fonction du temps que ça nous prend, je me demande si après ça, je ferai pas un retour au vaisseau. On s'arrêtera pas ici pour la première partie du deuxième passage sur les archives célestes. J'active ce truc. J'active ce truc. D'ailleurs, on n'a pas besoin de le réanalyser. Non, c'est bon, très bien. Passe au viseur de baston, s'il vous plaît. Voilà, et avec ça, j'ai accès à ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que vous sentez quand même une baston contre un chasseur qui se profile? Parce que mine de rien, on a quand même dégagé une salle. Ça ressemble pas mal à une arène. Ah, moi, je parie sur une baston. Panneau de contrôle, un portail proche a été ouvert. Ok, donc ce portail-là a été ouvert. Très bien. Bon bah, on va sortir, hein. On va sortir. Et du coup, on va repasser par en haut. Alors, faut pas que j'oublie. Parce qu'il y a... Alors, il y a un portail à prendre qui nous amène vers quelque chose de très intéressant. Et du coup, ce portail, il est... Voilà, le portail actif, c'est celui-ci. Alors, par rapport à l'endroit où on se trouve... Alors déjà... Encore des gardiens ! Hé, vous avez vu, on est dans l'espace. Ça, par contre, je voudrais pas dire, le radar ennemi, c'est vachement pratique sur l'écran du bas. Alors, si je regarde un peu la salle, vous avez vu qu'il voilà, y a plein de trucs devant nous. Déjà, ce qui nous intéresse, en gros, les choses qui nous intéressent sont dans les endroits où il n'y a pas de portail. Je le répète, pas de portail. Donc, on va voir si on peut les ouvrir. Alors, déjà, là, il y a une interface qu'on va prendre. Voilà, l'artefact, donc, est derrière nous. L'artefact est derrière nous, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut analyser quoi que ce soit par ici? Non, parce que mine de rien, il y avait un gardien qui nous a un peu... Non, on vient de là. Station d'accostage... Oui, on est dans la station d'accostage de L2. Hein. L2, donc ça c'est les L3. Ah, ça, on l'a pas analysé. Qu'est-ce que c'est? Vœu final. Ne sous-estimez pas le danger que cet endroit referme. Nous avons sacrifié nos vies pour enfermer cette monstruosité dévoreuse de vie connue sous le nom de Gorea. N'essayez pas de libérer cette créature à moins que vous n'ayez la volonté de la détruire. Bon, j'ai envie de dire qu'il suffit de demander, non? Alors... Donc l'artefact, alors on a plusieurs portails, l'artefact est là-bas. Je suis tombé. Ah bah forcément, c'est une chute dans l'espace. Évidemment. Le checkpoint était où? Bon, il était probablement dans la salle. Ouais, ça va, il était là. Ah, ça va, on a juste à retaper le garde, c'est rien. D'ailleurs, attends. Ça nous connaît le gardien, ça, non? Mais je veux analyser le machin qui bouge là. Bon. Déjà, je récupère l'interface. Alors, le gardien qui est là, c'est. Mais tu vas crever, saloperie radioactive! Dis-moi. Laissez-moi savoir que, comme on est dehors, la moindre chute est fatale. Bon. C'est logique que la moindre chute soit fatale. On est littéralement dans l'espace, je le rappelle. Attends, il y avait le truc analysé qui était là-haut. On va pas l'oublier, on va aller chercher l'artefact.
Et après, je pense qu'on va aller chercher le petit cadeau supplémentaire. Voilà, donc le vœu final, on le reprend. Si je regarde la map, c'est à gauche, c'est la plateforme de gauche. Donc ça doit être cette plateforme là-bas. En gros, on fait le truc là-bas, l'artefact, et on fait demi-tour et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ce sera pas mal. Mais d'abord, on va se refaire le gardien parce que je l'aime bien. Ah, vous y attendiez pas, ça, hein? Ah, vous y attendiez pas! Bah, moi non plus. Eh, mais attendez, mon champ d'enregistrement est très légèrement décalé. Ah, mais t'es là, espèce de petite merde! M'en fous de prendre les dégâts, je vais te retourner au vaisseau. Headshot. Ça j'aime bien le fait que les tirs à la tête infligent plus de dégâts aussi. Donc, la troisième fois c'est la bonne, en théorie. En tout cas, je suis en train de me dire, je peux fermer la map, je sais où est mon truc, voilà. Ah, dommage. Donc, on recommence, on va analyser le vœu final pour la troisième fois. On va reprendre la plateforme. Voilà, là cette fois-ci on la prend, donc c'est celle-ci. Il y a donc une réserve de munitions. Et avec ça, nous avons trouvé les 4 réserves de munitions de les archives célestes. Alors maintenant, on va tenter le saut de précision. Et nous récupérons l'artefact anabique. J'ai pas vu lequel c'était et je crois que j'ai oublié de l'analyser. Bon, on l'a. Comme c'est probablement les mêmes artefacts qu'on récupérera d'une planète sur l'autre, on les analysera le moment venu. Voilà. Maintenant, on va simplement revenir en arrière. Et on va aller au vaisseau sauvegarder et nous arrêter pour aujourd'hui. Aussi simple que ça. Donc on redescend par là, on reprend. Merde. Faut qu'on redescende, faut qu'on prenne, voilà, non, à ce niveau-là. Et en plus, ça qui est bien, c'est qu'on a juste à descendre et on a le portail du vaisseau qui nous attend. C'est farpait. Mais je me dis, voilà, on s'occupera du reste de l'exploration, de tout ça. Lundi, du coup, c'est l'épisode de vendredi, c'est vrai que je suis lancé avec une certaine avance, donc c'est effectivement l'épisode de vendredi. Attends. Ouais, et encore une fois, décalé mon champ d'enregistrement. Voilà, là c'est bon. Bon, de toute façon, pire, vous allez voir le champ d'enregistrement bouger vers la fin de l'épisode, mais c'est pas trop grave. Alors, bien sûr, on va monter à bord, on va sauvegarder, car vous serez en mesure d'empêcher la perte de vos données. Et surtout, mesdames et messieurs, les gens, carnet de bord, au niveau de l'équipement, est toujours à 85-47, du coup. Je regarde juste objet 62, bioforme 56. Hérite 26. Eh ben on est pas mal du tout là, mesdames et messieurs les gens. Mais du coup, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Metroid Prime Hunters. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant, ça fera super plaisir. On n'est pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou de parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit, tout ça, vous le savez. Pardon. La petite touche pour une question, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, vous connaissez nos musiques, mais pas non plus d'aller jeter un œil à la chaîne de VOD dont le lien se trouve plus bas en description. Et en attendant, la suite, peut-être à la fin de ce deuxième passage sur les archives célestes. Dans tous les cas, je vous remercie encore mille fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à ciao, bonsoir.